Je parlais avec la cousine de Paga. On va l'appeler Manon, parce qu'elle s'appelle Manon. Ce n'est pas uniquement la cousine de Paga, tout comme je ne suis pas juste la femme de Paga, tu vois. C'est exactement pareil. Alors, en fait, j'ai utilisé Maluma. À quoi il joue? Parce que pendant le défilé de Vogue, là, ils ont fait un after, je crois que c'est ce jour-là. Ils ont fait un after ou une soirée, peu importe. Et il a fini, ils avaient l'air un peu pompette, hein, je pense, je suis même sûre. Et il était hyper proche de Ayana Kamura. Cela me dérange pas. Cela ne nous regarde pas. Ce n'est pas mon mec, il fait ce qu'il veut. Mais quand même, sa femme et sa fille dans l'histoire là. Moi je suis pas d'accord. Même si voilà, il y a soutien, comment on appelle ça là, qu'on soutient entre filles là. Voilà. Elle peut pas, tu peux pas faire ça publiquement comme ça. Ta femme elle vient d'accoucher. Mais non en fait. Oui, pas d'accord. Je voulais préciser de ce que j'ai vu. J'étais vraiment pas contente. On se connaît pas lui et moi, je vous assure, ni sa femme. Mais je suis pas d'accord qu'une femme vienne accoucher et que son mec il fasse des trucs publiquement comme ça, genre non en fait pas du tout. Non. Mais et même Ayana Kamura au final, vous savez que vous allez vous faire filmer, genre faites attention. Ou faites-le discrètement si quand même vous avez envie de vous lâcher, je sais pas. Donc voilà, je tenais à soutenir la femme de Maluma, même si elle est ignore mon existence, et lui aussi évidemment. Je voulais dire que j'étais pas d'accord. Et s'il y a des hommes qui me suivent, faites attention à ce que vous faites, parce que tout se sait, tout se voit. Et non, pas du tout, je suis pas d'accord. Donc voilà, je suis pas d'accord. Je disais du coup que on est au sort en famille, mais je suis pas avec Georgia et Paga, puisque Paga est partie avec elle. Donc je suis avec la cousine de Paga, sa tante, et les enfants, bon bref, voilà. Donc avec la famille de Paga, mais sans Paga. Tu es une pagini maintenant. Ah oui, c'est vrai, je suis une pagini, donc je suis de la famille officiellement. D'ailleurs, il faut que je fasse le changement de mes papiers, parce qu'il y a toujours écrit sur Léo sur mon passeport et ma carte d'identité. Et on est dans un endroit super beau, regardez. C'est magnifique. C'est tellement calme. Et bonjour. Bon, je vous ai déjà dit bonjour ce matin, mais j'ai pas trop pris la parole. Du coup, là, moi, ça va un peu mieux depuis ce matin, du coup, parce que j'ai plutôt bien récupéré cette nuit. Paga, il a géré un petit peu les filles et tout, donc il y avait la nounou aussi, donc j'ai un peu délégué pour la première fois depuis que j'ai accouché. Et franchement, je pense que ça m'a permis de récupérer et de guérir un peu plus vite. Donc là, je me sens mieux. Et du coup, ce midi, on est au restaurant en famille. Je suis pas avec Paga, il est parti avec Georgia. En fait, les deux, ils sont tous ensemble, vous avez vu. Les deux ne se lâchent pas.